C'est pas le tiroir, non je vais m'en sortir. J'ai jamais me rendre, jamais. À quoi tu joues, gros, ça va jamais se finir. Jamais. J'fais que des cauchemars, la nuit je rêve de m'enfuir. Arrête de faire le sourd, moi je veux t'aider à t'en sortir. Et yo tout le monde, les potos, c'est Meiko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, encore une fois les gars, je charbonne les vidéos, j'ai pas le temps les gars, j'ai montré tous les glitchs avant qu'ils soient patch. Du coup en fait j'ai rien à faire, je m'ennuie, j'ai envie quand même de monter en abonnés, on tente les 15 000 abonnés avant le 1er janvier. Donc voilà, on charbonne les vidéos pour vous faire plaisir. Bref voilà, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, ça sera un glitch de... d'argent pardon, ou de duplication. En fait ce sera un glitch de don, mais moi je vois ça comme un glitch de duplication, d'accord. Pour ceux qui veulent revendre des ici, ou pour ceux qui veulent juste avoir des véhicules modés de vos amis. Donc merci à Fabs de m'avoir aidé les potos dans cette vidéo, un gros GG à lui, d'accord. Donc c'est parti, on va commencer la manipulation. Donc alors tout d'abord les potes, il vous faudra le centre d'opération mobile, d'accord. Donc il y a centre d'opération mobile, debunker. Il faudra dans le centre d'opération mobile un Fadjo ou une Elegie, un véhicule à perdre, d'accord. On s'en fout, vous mettez un véhicule à perdre. Après, il faudra que le centre d'opération ait en module 3 dépôt de véhicules personnels, d'accord. En module 2, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Voilà, juste véhicule personnel. Donc après, votre ami, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le véhicule qu'il veut vous donner. Donc moi, par exemple, j'ai envie d'avoir de l'argent, il va me donner son ici pour que je puisse la revendre après. Je vous conseille de faire, enfin, des garages de ici parce que voilà, c'est des plaques sales, du coup, vous aurez vite fait la limite de vente. Donc faites des duplis, enfin, faites des duplis, mettez-les dans vos garages et après, bah, ce sera nickel. Donc c'est parti, une fois qu'on a tout ça les potes, on peut commencer, on va se rendre à l'arène, d'accord. Donc là ce que va faire mon ami, c'est qu'il va ouvrir son menu interaction, il va se rendre dans les courses improvisées et il va en lancer une et m'inviter, d'accord. C'est très simple. Donc là il en lance une, il m'invite et une fois que je l'ai rejoint, il clique sur commencer. Donc voilà, hop, il m'invite, je rejoins sa course. Et donc là, il va cliquer sur commencer. Et donc, dès qu'il aura lancé la course, vous allez la quitter. Voilà, vous la quittez. Donc lui, il sera toujours dans la course, donc il sera buggé. Maintenant, ce que vous faites les potes, c'est que vous montez du coup sur le Fadjo ou le véhicule que vous voulez perdre, qui est bien dans le centre d'opération mobile de base, d'accord. Je l'avais déjà sorti du centre d'opération mobile pour la vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec mon Fadjo, je me dirige à mon centre d'opération mobile que j'ai placé sur le parking du casino. Je fais flèche de droite, vous allez attendre 3 secondes et vous allez voir que votre ami va descendre tout seul du Fadjo. Il va remonter une fois qu'il sera descendu, d'accord. En fait c'est le jeu qui va le faire descendre. Une fois qu'il sera du coup remonté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre devant le garage du casino et on va cliquer sur parking, puis attendre 40 secondes, d'accord. Donc j'avais oublié de préciser les potes, il faut être en visée libre, excusez-moi. Voilà, mettez-vous en visible, c'est très important, d'accord. C'est pour après rejoindre une personne qui n'a pas le même mode de visée que vous, d'accord. Donc là vous allez attendre 40 secondes pardon, et une fois les 40 secondes passées, votre ami lui va descendre du Fadjo. Il aura encore lui, enfin il aura lui son écran, en fait c'est le Fadjo avec nous deux dessus. Moi mon écran c'est le Diamond Casino. Donc il attend 40 secondes et il descend. Si ça vous fait rentrer dans le parking, c'est que vous n'avez pas assez attendu longtemps, d'accord. Si ça vous ne fait pas rentrer dans le parking, c'est bon, c'est que vous êtes bien buggé. Vous aurez un petit écran noir avec un en bas à droite un rond de chargement blanc, vous allez voir. Donc voilà les potes, là mon ami il est descendu, je le vois avec moi, c'est un bug. Là vous avez l'écran noir et en bas à droite le petit rond blanc de chargement. Donc là vous avez bien réussi la manipulation. Maintenant ce qu'il vous faudra, c'est rejoindre une personne avec un mode de visée différent. Vous le rejoignez avec le bouton PS, d'accord. Donc là, je vais rejoindre une personne. Voilà, je le rejoins. On a le message en bas à droite d'alerte, du coup. On valide le premier message et on refuse le deuxième, comme quoi la visée est différente. Là, vous aurez un écran gris comme ça. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est Start en ligne. Et vous cliquez sur le pack d'entrée dans le monde criminel. Vous le quittez, là vous serez débugué sous la map. Vous appuyez sur triangle pour sortir de votre Fadjo invisible. Vous serez sous la map, donc là vous revenez sur la map en descendant, voilà. Donc là ça va vous faire respawn sur la map. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que d'abord votre ami, lui, il va se placer derrière mon centre d'opération mobile, d'accord. Il se passe derrière mon centre d'opération mobile. Moi ce que je fais maintenant, c'est que je vais me mettre sur le rond bleu et je vais entrer seul. Et dès que je vais entrer seul, voilà, j'entre seul. En bas à droite j'aurai encore le petit rond de chargement blanc infini. Et donc là ce que je fais, c'est que je rejoins encore la personne qui a un mode de visée différent.
je rejoins, j'accepte le premier message, je refuse le deuxième. Et là, je serai invisible, donc je vais me dépêcher de rentrer dans le véhicule de mon ami. Et donc là, dès que vous rentrerez, vous aurez le véhicule dans votre centre d'opération mobile et il sera à vous, d'accord? Donc là, vous n'aurez plus qu'à aller le changer d'emplacement, le mettre dans un garage. Et puis voilà, vous n'aurez plus aussi qu'à le vendre. Et voilà, frérot, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez faire ça en illimité, que ce soit pour un glitch d'argent, pour vendre des véhicules, pour les garder, pour modder des véhicules, bref, etc. Voilà les potos, malheureusement, ce glitch est en duo. Mais bon, voilà, ça marche sur PS4, Xbox et PC, je crois pas que ça marche. Mais bref, voilà les potos, c'était Meiko. Merci encore une fois, Fab, de m'avoir aidé pour cette vidéo. Un grand GG à lui. Merci les potes, on charbonne les vidéos pour ses vacances. Et là, j'espère qu'on aura les 15 000 les potes. Partagez à fond, c'était Meiko. On tente les 300 likes pour cette vidéo. Allez, ciao.